qu'est-ce que c'est bon le jambon beurre. Allez, on y va les gars. Ah putain, j'avais la dalle. Ah ben il y a de la lentille, c'est marécageux par ici. Bah les lavoirs sont plus utilisés avec les machines à laver. La femme d'aujourd'hui ne se rend même pas compte qu'elle a tout le confort. Naga, descends de là, il y a ma canette là. Et elle prône une pseudo-liberté qu'elle n'aurait plus ou qu'elle aurait perdue à un moment. Enfin bref. C'est pas le sujet dont je voulais parler. Je voulais parler aujourd'hui de ma vision du travail contemporain. Dans un terme global, quoi. Moi, en gros, dès l'âge de 16 ans, j'ai commencé à bosser, quoi, en apprentissage. Pas parce que j'en avais la vocation ou l'envie, parce que j'avais pas le choix, quoi. J'étais en sortie de collège. J'étais un petit peu refusé de partout, personne ne voulait me prendre. Donc j'ai pas eu d'autre choix que de faire un apprentissage, quoi. Un apprentissage dans quelque chose qui ne me passionnait pas plus que ça, parce que moi je me disais artiste déjà à l'époque. Et donc ce qui correspondait plus en termes artistiques et dont je pouvais prétendre à l'époque, c'était un apprentissage en peintre en bâtiment. Bon bah ça l'a fait un temps, hein. C'était. Voilà, quoi. Je suis pas resté longtemps là-dedans. Et donc je suis vite retourné. J'ai fait un an d'apprentissage. Et je suis vite retourné dans le système éducatif, quoi. Et c'est là que je suis parti en vente. J'ai fait un an et demi. Puis carrière sanitaire et sociale. Pareil, j'ai fait un an et demi. Puis j'ai décroché après diverses formations qu'on menait nulle part, quoi. Bon, après, j'ai travaillé en intérim, comme tout le monde, j'ai fait un peu de tout. Hein. Des bons salaires, des moins bons salaires, des mi-temps, des plein temps, des cartons, etc. Et je me voyais pas passer ma vie CDD ou CDI, quoi, dans un taf alimentaire, quoi, en gros. Et donc, comme j'avais pour hobby une passion artistique en parallèle, même voir tous les week-ends, parce qu'à l'époque, ça y allait, hein, je carburais. Hein. Et bien, je me suis dit, pourquoi pas faire les saisons et voilà, quoi, vivre au jour le jour, un petit peu la cigale et la fourmi, quoi. Et vivre ma passion d'artiste et pourquoi pas se réaliser professionnellement. Et donc, je suis parti comme ça. Au jour le jour, entre saisonnier, taf d'intérim, ma passion qui payait pas, hein, ou alors très rarement, hein, une soirée par-ci par-là où t'es payé 150-200 € la soirée, tu vois. Ça, c'est pas les trucs, tu vois, c'est pas fantasmagorique. Et chemin faisant, je me suis rendu compte, comme on dit, tu vois, les barrières du système, ah ben tu travailles pas, et ainsi, et machin, tu vois, toutes ces barrières du système qui font que tu dis, ah, je peux pas me permettre de lâcher parce que pour l'entourage, pour ce que les gens vont penser, pour, enfin, tout est lié à ça, quoi, en fait. Mais quand tu te rends compte qu'en fait, tu passes un an, 2 ans, 3 ans, à rien foutre,
à travailler ton art, quoi, en gros, à travailler, à vivre, quoi, vivre pour vivre, quoi, pas se prendre la tête, parce qu'on peut se le permettre, on a les droits sociaux qui vont derrière, on a les acquis sociaux qui vont derrière. C'est-à-dire que moi, voilà, en fait, pour définir le truc, Naga, va pas dans l'eau! Pour déterminer le truc, je vois pas pourquoi aujourd'hui j'irais me crever le cul pour un SMIC, alors qu'avec les acquis sociaux, je gagne l'équivalent, voire plus, quoi. Qu'est-ce que tu veux que j'aille bosser en intérim ou en CDD pour 1000 voire 900 euros par mois? Parce qu'en plus, je l'ai fait. À un moment, j'ai même fraudé. Voilà quoi. Je déclarais pas que je touchais ou je faisais du black, tu vois. J'ai bossé. Hein. On va dire à peu près, je bosse plus depuis 2012, quoi. Au black et tout ça. Voilà. Mais on va dire de 2008 à 2012, je faisais que de ça. Du black et de la fraude, quoi. Où je déclarais pas parce qu'il n'y avait pas encore l'informatique ou. Maintenant, ils prélèvent carrément les impôts sur ton salaire, tu vois. Et chemin faisant, c'est ce que je veux dire, je me suis rendu compte que avec les acquis sociaux, j'étais gagnant, quoi. À gagner, là, j'ai l'âge, donc 850 balles qui tombent, 837 balles qui tombent par mois, plus les APL à 275 euros, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que j'aille bosser? Je vais aller bosser, je vais gagner 100 euros de plus, puis je les claquerai dans l'essence, dans les paniers repas, mon cul, dans la bouffe, dans l'entretien du véhicule. Oh non, tu vois bien que ça peut pas fonctionner, ça peut pas. Et il y en a encore certains, enfin, je veux pas dire, hein, si t'es 4 sup, oui, tu peux aller bosser, là. Hein, si t'as une bonne place à 4-5 000 euros par mois, oui, là, c'est rentable. Mais quand je vois les gens qui vont bosser pour 1000 balles, 1100, 1200, allez, 1300 euros avec les primes et tout, qui se prennent la tête, qui doivent payer derrière des impôts, ils n'ont pas le droit aux APL, ils ont toutes les charges qui tombent derrière et tout, mais c'est quoi l'intérêt d'aller bosser, streamer le cul pour 100, 200 balles par mois au final? Tu vois? Alors que moi, avec les aides sociales, pour rien, d'accord, hein, il n'y a pas les 200 ou 300 balles par mois en plus. Mais je vis tout aussi bien en fait, quoi. Pas de problème, quoi. Je comprends pas cette mentalité. Juste pour faire comme la masse, dire ouais, je bosse, je travaille. Ah, toi, tu fais quoi? Bah oui, tu travailles. Ah, bah je cherche du boulot, blablabla. Mais c'est inutile en fait. C'est pour aller finir dans un taf qui te désespère, où tu te rends compte que en fait ça amène à rien, que ça t'apporte rien. Tu te prends plus la tête qu'autre chose tous les jours, à trimer pour un patron qui te le rend même pas. Je vois pas le trip en fait. Je vois pas le trip, je vois pas où ça peut mener. Puis bon, voilà, c'était tout un petit peu une réflexion que je me posais vis-à-vis de tout ça, quoi. Des gens qui kiffent travailler pour rien, quoi. Pour 1000 balles, quoi. 1000 balles, alors que si tu te démerdes bien, les 1000 balles, tu peux les gratter, hein. Tant que Macron, il va pas tout sucrer. Mais il a bien commencé, là, en supprimant 5 euros d'APL par-ci, les retraites par-là, la CSG, mon cul, tu vois. Oh, petit à petit, tu vois, il gratte un petit peu, tu vois. Il gratte un petit peu. Voir si ça passe, ce que les gens vont dire, si les gens vont gueuler ou pas. C'est sûr qu'en s'en prenant à des retraités, ils gueulent moins que des jeunes de 15-20 ans, tu vois. Tu prends les jeunes de 15-20 ans, tu vois, tu les envoies sur la ZAD, ça pète un petit peu plus, quoi. Non, mais généralisme, en gros. Je me doute bien qu'on va pas vers du meilleur, quoi. En termes sociologiques, quoi. Enfin, en termes sociologiques de ce qu'ils veulent nous imposer, quoi. Mais ça peut être folklorique, ça peut être marrant. Tout ça pour dire, c'est que j'en suis arrivé où je me suis dit que le travail, ça n'avait pas vraiment de valeur, dans le sens où t'es smicard, en fait, aujourd'hui, depuis l'euro, t'imagines, j'ai bossé avant l'euro. Et je me dis, ça n'a pas de valeur, tu bosses pour 1000 balles, 1000 euros. Alors qu'avec les aides sociales, si tu démerdes bien, t'as la même somme. Donc c'est quoi le truc? En plus, tu payes des impôts derrière. Tu vois ce que je veux dire? T'as toutes les charges, tu dois payer ta mutuelle, tu dois tout payer derrière. Alors que si tu bosses pas, tu te fous à la hache ou même au RSA, t'as tout payé derrière. Et tu peux vivre bien, hein, tu vis tranquille. Après, faut pas péter au-dessus de son cul, faut pas vouloir vivre au-dessus de ses moyens. Mais tu peux prétendre à une vie sereine et sécurisée, tu vois ce que je veux dire? Surtout ici en France, quoi, avec les acquis, quoi. Voilà, c'était juste, c'est pas un coup de gueule, c'est pas, toi, c'était juste un petit peu une retranscription de ce que j'avais pu vivre vis-à-vis de l'emploi, quoi. Aujourd'hui, je suis artiste indépendant, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de quiproquo là-dessus, moi, je suis un artiste, hein. Bon, surtout dans la musique, mais après, j'ai toujours été
porté par le biais artistique hein, depuis tout jeune. Déjà depuis tout petit, dans ma famille, il me voyait comme ça, quoi. Lui, ça sera dessinateur, lui, musicien, lui, tu vois. Ils m'ont peut-être même trop porté là-dessus, donc j'avais plus rien. Enfin, même si j'étais doué à l'école, j'avais plus envie rien de foutre, quoi. Je me disais, oui, je suis doué, oui. Je savais que je pouvais sortir un bon bulletin de notes, tu vois, à l'année. Mais après, je m'en foutais, quoi. Moi, je me voyais pas. Enfin, même jusqu'à la fin du lycée, je savais pas ce que je voulais faire, quoi. Je m'en foutais, quoi. Moi, je voyais que, voilà, quand t'es jeune, c'est. Moi, je dis déjà, il y a un problème là-dessus, c'est sur l'âge où on veut nous orienter vers notre carrière définitive, quoi. Je pense qu'en sortie de collège à 15 ans, t'es pas encore assez mature pour savoir ce que tu veux faire de ta vie entière, tu vois. Et c'est là-dessus que je pense que le système français, il est très mal géré, quoi. Aujourd'hui, il y a les campus, tu vois, c'est plus, tu vois, c'est plus quelque chose qu'il faudrait qu'il devienne basique, quoi. Le système de passer le collège, le lycée, et pas faire son avenir derrière. Il faudrait laisser le campus libre, comme s'ils font aux États-Unis ou même au Portugal, enfin. De pouvoir avoir le temps de vraiment déchiffrer ta personnalité et savoir ce que tu veux faire à l'avenir. Mais bon, ça c'est un autre programme, un autre projet. Naga, viens par ici. Bon, allez, ciao les amis, parce qu'il y a d'autres dogs. Bon, allez, ciao, à plus.